Salut à tous, on revient sur un dernier, je pense, épisode de Darksiders Genesis. On a tout. Tout. On a tout fait. Collection, on a quasiment tout. Il nous manque, ah là, une partie de l'armure abyssale. Et après, c'est des gemmes de santé. Mais pour les deux, voilà. Sauf qu'il y a une petite avance pour notre ami hors-la-loi. Et il nous reste à faire cette partie-là. Alors. Ah bah ça tombe bien, c'est pas dispo, enfin c'est pas, je l'avais fait, c'est assez barbare. Ici il y a plusieurs petites étapes qui vont nous rappeler en gros. Voilà. Là il faut viser simplement pour que ça allume de l'autre côté. En revanche, vous avez vu, on est en mode Dragon Ball Super Saiyan 2. Les éclairs et tout. On est quand même pas mal. Alors. Ok, donc plusieurs étapes. Ah la vache. Ok. Donc là, il va falloir faire un peu plus ça. Donc là, je garde l'autre doigt sur la gâchette. Gauche. En fait non, ça marche pas, on va pas pouvoir viser, il va falloir y aller franc jeu. Et c'est complètement nul, parce que comme d'habitude, avec cette caméra là, c'est la merde. Ok. Ah non, 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 non. C'est pas marrant, ça a pas marché? Non. Il n'y en a qu'une seule des trois? C'est quoi le délire? Ouais, ok, non, là j'ai fait de la merde. Ouais. Donc là, faut aller très très vite. C'est ça, faut aller très très vite. Donc, une caisse du passeur. Là, du coup, on peut revenir. Est-ce qu'on a un plan? Non, on a zéro plan. On a que dalle. Que dalle! On a un petit corbeau là pour nous aider. À tout hasard.
Voilà. Alors, comment on peut faire rebondir? Voilà. Ok. J'ai fait de la merde. Allez. Voilà, c'est passé. Donc. Mais pourquoi il veut... Pourquoi il veut pas? Ah voilà. En fait, faut y aller avec le curseur gauche, enfin la molette gauche. C'est tout con, mais voilà. D'accord, oui, il y a un truc à voir de l'autre côté. Pourquoi j'ai cette impression incroyable? Non, il prend pas ça. Ok, on peut pas actionner le gant de loin comme ça. Quoi? Ah mais c'est une blague. Ah, je vais la détruire cette caméra de merde. Ça commence vraiment à me gonfler ça. Ok. Et donc il faut repartir de l'autre côté? Sérieusement? Non. Ok, si, bah si. En fait, c'est faisable. Facile même. Waouh, le mec a à peine du coup. Ah, je suis pas du bon côté.
J'adore. What? Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ok. Faut le savoir qu'il faut aller ici. Vraiment, faut le savoir. Allez. Celui-là, il a l'air costaud. Je pensais pas que j'allais mettre aussi peu de temps à le faire celui-là. Mais bon. Ouais, c'était sans compter sur celui-ci. Et voilà. Faut pas hésiter à se faire des petits slaloms. Putain, encore un. Oh la vache. Putain, comment on a pu penser un niveau de difficulté comme ça? Ok. Ok, ok, ok. Oh la vache, le virage que ça prend. Il y a une marge d'erreur absolument nulle. Puis alors là, plus elle accélère, plus ça accélère. Oh merde! Merde! Qu'est-ce que c'est que ce niveau de psychopathe? Ah, ça va trop vite après. Ça va vachement vite. Ça sent la répétition. J'ai peur, j'ai peur. Ça puait déjà au début. Putain, je vais y arriver. Non, j'étais bien là. Putain, j'étais...
Voilà, et quand on accélère... Non, 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 non. Ok, là c'est bon, j'ai à peu près géré. Putain! Ok, allez, celle-là, c'est la bonne. C'est la bonne, putain. Je viens juste de me faire lourder dès le début. Vache. On va y arriver, on va y arriver. Non, non, vraiment, on va y arriver. Oh putain, mais ces virages de dingue. La boule, elle prend un virage. Vous verrez, hein, si... C'est l'horreur. Non, 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 non. Allez, on est reparti. On va la voir. Ah là, j'ai eu peur avec les... Oh, waouh, waouh, waouh. Waouh. Ah, j'ai eu un moment d'émotion. Donc, une nouvelle pièce. Et ici, la dernière porte du mystificateur. Voilà, gardien de la porte. Et on aura la dernière, la toute dernière. Non mais... D'accord, 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 ok, ok. Mais non. Moi, pour info, quête, donc, toutes les portes, tac. Oui, enfin, starté, d'accord, je l'avais. Mais, ce que je veux, moi, c'est ça. Et on peut même pas zoomer pour la voir un peu plus l'armure, c'est chiant. Néanmoins, il a l'armure. On va retourner dessus parce qu'en fait on n'a pas fini le trajet a priori. On a carrément pas fini le trajet. C'est bien, déjà on n'a pas tout à refaire, c'est plutôt cool. En revanche, si vous vous ennuyez, vous pouvez vous repayer une petite série apparemment. Et là, il restait des choses derrière. Je veux voir où ça va. Ah merde. Et c'est parti, on va du coup directement à la porte du mystificateur, c'était vraiment la fin. Pour les deux, donc la collection, et bah il reste juste un, enfin moi il y a une pièce, pourtant on a tout fait, hein. On a tout vu, tout eu. Là je vois pas où est-ce qu'on pourrait trouver de quoi alimenter en vie nos deux compères.
vous êtes bien amusé, mais maintenant, le clou du spectacle. Un brin de combat chorégraphié, des cabrioles calamiteuses, des taillades terrifiantes. Toutes ces allitérations, fascinantes, n'est-ce pas? Une danse mortelle. Cela dit, la mort elle-même est un concept amusant. Je devrais le savoir. Regardez-moi donc. La chair est morte, mais pas le feu qui brûle en moi. Toutefois, il n'y a pas d'oxygène dans le néant, donc aucun feu ne devrait brûler si longtemps. Oh, mais je m'éloigne du sujet. Discorde, je m'attendais à trouver en toi un parfait talisman de me voler la fenêtre. Ah, si, il répond. D'infinis millénaires dans d'innombrables mondes pour l'acquérir. Oh la vache! Oh la vache, la vie qu'il prend, c'est un truc de fou! Et l'homme au chapeau, j'adore ce personnage. Pourquoi on s'en va parce qu'il a un chapeau? En revanche, il en a fait un clown. Vache. Vieilles reliques telles que vous. What the fuck? J'ai des affaires à régler plus tard dans la soirée. Je dois rencontrer un homme jadis vivant au sujet d'un cheval squelettique. Il est un peu long, le PPR. Allez. Il est compliqué à viser. Et ça lui prend mais zéro vie quoi. Ça lui prend rien en vie quoi. Faut le garder à distance. Oh non. C'est moi qui croyais
si l'un de nous était maléfique, c'était bien moi. Voyez-vous ça, comme les rôles ont été inversés. Qu'ils aillent se faire voir. Yes. Mais il a carrément pas le droit de faire ça. C'est vraiment arrivé ça? Ah, et puis alors tout ça? Les ennemis tués génèrent une explosion de 4 mètres de diamètre infligeant aux ennemis à proximité des dégâts minimes basés sur la puissance du coup. C'est excellent. Ok. Bon bah... Je vais rester là pour faire ma conclusion sur ce tout dernier épisode de Darksiders Genesis. Voilà, on a eu le petit... la petite parenthèse qu'on a eu dans tous les Darksiders. Et sur ce... Bah, je vous dis rendez-vous pour les prochains. Si vous avez des idées de jeux, éventuellement, je vais regarder. Je regarde en faire 2-3 dans l'année pour être bien. Et après, ce serait du rétro gaming ou autre. Je sais pas. Je sais pas parce que j'ai la chaîne Twitch et beaucoup d'entraînement aussi qui se fait. Donc, n'hésitez pas à venir suivre sur Facebook, sur Twitch également. Je vais essayer de reprendre un peu le rythme de tout ça. Et je vous dis à la prochaine. À plus. Ciao.